Alors aujourd'hui, je suis heureux de m'entretenir avec le maire de Shawinigan, M. Michel Anger. M. Anger, bonjour. Bonjour, M. Blackburn. Pourriez-vous nous décrire brièvement votre environnement, la municipalité de Shawinigan? Alors, Shawinigan est une ville de 50 000 habitants, une ville fusionnée en 2002. Donc, une ville de 7 municipalités et villes qui se sont regroupées pour en faire une de 50 000 habitants. La 21e, le 22e grande ville du Québec. Évidemment, Shawinigan, on est au cœur du Québec, au centre, une ville de grands espaces, une ville où on a évidemment des lacs, des rivières, beaucoup d'espaces verts, un parc national de la Mauricie. Donc, finalement, un endroit où il fait bon vivre et évidemment avec un coût de la vie beaucoup plus faible. Alors, je vous en donne comme exemple. Probablement que les coûts des maisons ici est probablement moins de deux fois moins cher que ce qu'on peut retrouver à Montréal ou en périphérie aussi. Donc, évidemment, ça attire des jeunes familles qui veulent partir sans trop s'endetter. Alors, on a tout ce qu'il faut ici pour que les gens puissent s'y plaire. Quels sont les éléments qui vous rendent le plus fier de votre coin de pays, si je peux m'exprimer ainsi, M. le maire? Bien, je vous dirais d'abord que, Shawinigan est une ville qui a été fortement industrialisée. Au tournant des années 40-50, c'était la ville la plus riche au Canada, où pas le coût de la vie, mais plutôt les salaires étaient les plus élevés ici. Tout le monde travaillait dans les usines un peu partout. Les gens venaient de partout à travers le Québec pour venir travailler à Shawinigan, pour toutes sortes de très grandes usines qu'il y avait ici. Et tout ça s'est écroulé avec la désindustrialisation. Et suite à cette désindustrialisation, ça a laissé un grand, grand vide. Évidemment, ce qui me rend fier de notre communauté, c'est tout le niveau de la résilience, le courage de cette population de ne pas se mettre les mains au-dessus de la tête en se disant « Est-ce que le ciel va arrêter de nous tomber sur la tête? » Non. On a décidé de se relever les manches, de se prendre en main et de démarrer un grand virage entrepreneurial qui nous permet aujourd'hui de se renouveler, de se reconstruire. Je m'apprêtais à vous poser la question. Quel a été probablement le plus gros défi auquel vous avez dû faire face depuis votre élection? Je pense que vous l'avez très bien décrit au niveau de la désindustrialisation, mais de quelle façon concrètement ça veut dire pour certains secteurs de votre municipité? Comme la plupart des villes, d'à peu près une centaine d'années aussi, il y avait tout le défi de la réhabilitation des infrastructures, je ne vous le cache pas. Tout ça vient, c'est des millions, des millions et des millions de dollars qu'on doit investir pour renouveler ces infrastructures. Mais évidemment, en termes de reconversion économique, ça a été tout un virage. De partir, puis je ne le dis pas de façon péjorative, de partir d'une mentalité de boîte à lunch et d'arriver et de se dire qu'on croit en nos moyens, on croit en nos capacités de pouvoir se relever et de trouver les moyens de mettre en place des outils qui permettent aux hommes et aux femmes d'ici d'arrêter de croire au sauveur qui va venir ici avec sa grande entreprise, mais plutôt démarrer nos propres entreprises, ce qui crée évidemment un enracinement comme tel des entrepreneurs de chez nous, de ceux qui décident de nous choisir. Alors, ce sont des enjeux extrêmement importants. Et ce qu'on voulait aussi, surtout, c'est de retrouver notre sentiment d'appartenance, sentiment de fierté, de faire en sorte qu'on est à Shawinigan et que maintenant, comme je vous l'ai mentionné, on croit en nos propres moyens et les gens sont fiers de demeurer ici. Ce sont de fiers Shawinigannais et ça me rend particulièrement fier. Si vous aviez identifié une grande réussite économique depuis que vous êtes en poste et qui pourrait bien caractériser, je dirais, votre municipalité, quelle pourrait-elle? Oh, notre grand fait d'armes, c'est sans aucun doute la construction, la mise en place de notre centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins ici à Shawinigan. Une vieille cotonnerie de plus d'une centaine d'années qui était désaffectée depuis 30 ans. On l'a pris, on l'a restauré au complet, et on en a fait deux étages. Un premier étage où on donne une formation en démarrage d'entreprise. On accompagne les entrepreneurs de chez nous avec la commission scolaire et on les incube évidemment pour qu'ils soient en mesure de pouvoir démarrer leur propre entreprise. Le deuxième étage a été transformé au complet. Le Digihub qui est maintenant reconnu un peu partout à travers le Québec. Donc, un écosystème qui
nous aura permis de faire ce fameux virage de la reconversion industrielle et où près de 250 personnes y travaillent présentement. C'est plus d'une soixantaine d'entreprises qui démarrent, font leur classe et après ça se réinstallent un peu partout en ville, particulièrement le DigiHub dans le monde du numérique. C'est un virage important qu'on a fait et les gouvernements qui se sont succédés les uns les autres nous ont qualifiés de troisième pôle en numérique au Québec. On a la chance au Centre d'entrepreneuriat de recevoir des gens d'un peu partout à travers le Québec qui sont venus voir de quelle façon on s'est reconverti, de quelle façon on est parti du milieu industriel vers le milieu du développement entrepreneurial. Un projet d'environ 16 millions de dollars. J'ai fait beaucoup de demandes d'aide des gouvernements. Tous, les uns après les autres qui se sont succédés, nous ont dit « Wow, félicitations, fantastique. C'est merveilleux ce que vous avez fait. Quand vient le temps de nous supporter ou de nous aider, alors là, ça, c'est une autre paire de manches. » Et on a décidé de le faire nous-mêmes, de le payer et de faire en sorte que de donner à nos entrepreneurs des outils. Parce qu'on a beau créer cette fameuse communauté entrepreneuriale qui est si importante pour nous, d'encourager ces hommes et ces femmes à faire des choses de façon différente, mais si on ne leur donne pas les moyens de leurs ambitions, souvent les ambitions tournent à pas grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis. Et même si la responsabilité de faire le développement économique appartient au gouvernement du Québec, c'est lui qui a l'argent pour le faire. Nous, on a décidé de faire plus que notre part. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se promène un peu partout en ville et on regarde cette reconversion de cette usine-là, cette réhabilitation de cette usine-là, c'est aujourd'hui un des fleurons importants de notre ville. Et ça, bien, ça dégage au niveau de la population beaucoup, beaucoup de fierté de faire en sorte qu'on aura su se relever de moments très difficiles parce qu'il n'y a pas une ville au Québec qui a subi une plus grande désindustrialisation que Shawinigan. On n'en a plus. Hein, les trois derniers en lice, Belgeau, la console à Grand-Mère, l'usine Rio Tinto Alcan, 3,5 millions de dollars de revenus de moins à la ville, 1 500 emplois. Vous savez, M. Blackburn, que c'est une situation qui n'a pas été facile pour nous. Malgré ça, on a décidé de se relever. C'est très inspirant, M. le maire. Quels sont les autres principaux, je dirais, secteurs d'activité économique pour Shawinigan? On a créé, à mon arrivée, ce qu'on appelle un comité de diversification économique. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre autour d'une même table tous les acteurs de développement du milieu, que ce soit le gouvernement provincial, fédéral, la SADC, le CLD, le développement économique de la ville, la commission scolaire, cégep, université. Finalement, on a mis autour d'une table tous ces gens-là et on s'est partagé nos objectifs et on s'est donné des objectifs communs. Avec un seul porte-parole, c'est le maire de la ville de Shawinigan. Et tous les éléments convergent, tous les actions convergent, tous les montants d'argent qui sont investis convergent vers des actions communes. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place. Mais évidemment, on ne peut pas se développer tout azimut. Il faut se donner des créneaux précis dans lesquels nous sommes bons. Alors, on en a quatre aussi comme tel, toute la notion des technologies vertes. On a évidemment deux centres de recherche, le CENET avec le cégep de Shawinigan, le Centre de recherche d'Hydro-Québec, aussi le LTE, qui travaillent tous les deux dans le domaine des technologies vertes. On a beaucoup d'entreprises, Bioness et les autres, qui sont aussi dans le domaine des technologies vertes. C'est l'avenir, évidemment, on le sait très bien. Deuxième créneau, tout ce qui touche le numérique. Alors, je vous en ai parlé. Bon, le DigiHub a plusieurs créneaux en muséologie, en industrie 4.0. Donc, on fait des concentrations d'entreprises qui travaillent entre elles pour être capables d'obtenir de grands contrats. Et c'est ce qui nous arrive. Troisième créneau qui est tout aussi important, et vous allez évidemment en convenir avec moi, c'est tout ce qui touche l'électrification des transports et l'électronique de transport aussi comme tel. On a de grands joueurs, Kongsberg avec un centre de recherche, Synapse électronique. On a les deux fabricants de bornes, AdEnergy et Elmec, donc les bornes électriques. On verra ce qui va arriver avec Nemaska Lithium. Bon, ça s'enligne pour être un autre créneau qui va nous permettre de travailler à ce que le gouvernement du Québec actuel nous indique, c'est-à-dire l'électrification des transports. Et compte tenu qu'on a un historique industriel, il y a tout ce qui touche la transformation des métaux
Donc, beaucoup d'entreprises de deuxième et troisième transformation sont ici du côté de Shawinigan et continuent à opérer, se sont diversifiées suite à la fermeture des entreprises, mais aujourd'hui réussissent très bien à s'en tirer. Donc, dans le fond, on sent vraiment que vous êtes résolument tourné vers l'avenir et je pense que vous pouvez être vraiment fier de ce qui se passe actuellement dans votre municipalité. Comme vous le savez, Shawinigan, comme toutes les municipalités à travers le monde, en mars dernier, ont subi une pause de leur économie de façon drastique en lien avec la COVID-19. De quelle façon cette pause économique a-t-elle affecté Shawinigan depuis mars dernier jusqu'à maintenant? Je ne vous cache pas que, comme toutes les villes du Québec, du Canada, du monde, personne n'a voulu avoir cette COVID chez nous. Toutefois, je vous dirais que tout ce qui a touché l'achat local, donc on s'est recentré vers nous-mêmes, on a fait du tourisme intérieur. Donc, on a fait le constat que tout le monde a pris ses vacances du côté de Shawinigan. On va acheter, on s'en va dans les commerces, donc on va manger au restaurant Shawinigan. Donc, on s'est aperçu que les gens... on a eu peur un peu peut-être de sortir à l'extérieur, c'est peut-être une bonne chose en soi, mais somme toute, on s'est recentré un peu vers nous-mêmes. On a redécouvert nos propres attraits à nous, parce qu'on a plein de choses. Quand on fait des études sur le tourisme, on s'aperçoit que c'est les gens de Montréal, de Québec, les Français, les Européens qui débarquent chez nous pour visiter la Cité de l'énergie et autres, mais qu'on a un faible pourcentage de notre propre population qui profitent de ces attraits. Alors là, on a fait le constat inverse, c'est-à-dire que les gens, plutôt que d'aller à l'extérieur, ont pris leurs sous et l'ont plutôt investi chez nous. Alors, ça a eu un impact important au niveau de nos commerces, de notre restauration et autres. Alors, s'il y a une bonne chose à cette COVID, et je n'en trouve pas beaucoup, je vous l'avoue, s'il y a une bonne chose, c'est bien celle que les gens se sont retournés vers leurs propres commerçants à eux pour les encourager. Lorsqu'on regarde, M. le maire, je dirais la reprise auquel tous nous aspirons, bien évidemment, une reprise économique, qu'elle soit sécuritaire et durable. Quels seraient les outils auxquels vous devriez avoir accès comme maire de Shawinigan pour faire en sorte que vos entrepreneurs, vos hommes et femmes d'affaires, les employés de votre région puissent participer activement à cette relance économique et surtout de le faire de façon efficace? Alors, quels seraient les outils auxquels vous devriez avoir accès pour vous permettre de participer activement à cette relance économique? Je vais le dire avec toute la franchise que j'ai habituellement. Vous savez, quand on rebâtit un tissu industriel basé sur la petite et la moyenne entreprise, sur nos entrepreneurs, c'est toujours une croissance économique qui est fragile. Bon, évidemment, 1 sur 4 réussit à passer à travers le cap des 5 ans. Donc, on a vraiment besoin d'accompagner de façon presque quotidienne nos entrepreneurs. Le malheur au Québec, c'est que l'argent est malheureusement dans les mains du gouvernement provincial et très peu dans les mains des gouvernements locaux, des gouvernements de proximité. Vous savez, on a à peine quelques centaines de milliers de dollars, puis peut-être 1 million de dollars pour créer tout cet environnement économique. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement du Québec nous donne véritablement les moyens, les outils pour nous permettre de nous développer à notre façon à nous. Vous savez, Shawinigan va se développer de façon différente de la couronne de Montréal, de Sainte-Julie, de Saint-Bruno, de Longueuil, de Repentigny, d'Assomption. Nous sommes dans une dynamique différente. Même chose du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du côté de la Côte-Nord ou de l'Abitibi. Mais on a toujours tendance à avoir ça mur à mur. Bon, ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Ce n'est pas de cette façon. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que les gouvernements provincial et fédéral, mais surtout provincial, fassent confiance au monde municipal, aux élus municipaux. Nous savons exactement ce que nos entrepreneurs ont besoin. Ce sont nous qui les accompagnons pendant une crise comme celle qu'on vit présentement. Et dans un contexte de reprise économique, de relance économique qui est encore fragile parce qu'on ne connaît pas l'automne, ce qui va nous arriver. Mais je pense sincèrement que le gouvernement aurait tout intérêt à faire confiance encore plus au monde municipal, diminuer la paperasse, diminuer toutes les redditions de comptes, tout ce qu'on fait en double et en triple là, ici au Québec, on aurait tout intérêt à s'assurer que de nous donner ces fameux outils. Et l'argent étant le nerf de la guerre, si on augmente substantiellement
le développement économique ou les argents pour le développement économique dans nos municipalités, les redditions de comptes, on est capable d'en faire. On est capable d'indiquer clairement où on est capable de faire les investissements, les enjeux. Nous, il y a beaucoup d'argent qui est investi souvent pour du démarrage d'entreprise, du start-up. Malheureusement, tout ce qui s'appelle l'accompagnement des entrepreneurs, il y a peu ou pas de programmes qui nous aident à supporter nos entrepreneurs. Alors, ce sont les villes souvent qui, à même les taxes municipales, supportent les entrepreneurs pour développer une économie qui, en bout de piste, va être rentable pour le gouvernement du Québec. Je vous donne l'exemple. Je suis peut-être un peu long, mais je vais quand même vous donner l'exemple. Moi, j'ai 250 personnes qui travaillent du côté de mon centre d'entrepreneuriat que j'ai créé de toutes pièces. Bon, supposons que sur mes 250, mettons en moyenne 10 000 $ d'impôts au provincial par année, c'est quand même pas exagéré. Ça fait 2,5 millions de $. Mettons qu'ils vendent pour 1 million de produits et services, ça fait 3,5 millions de $ qu'on envoie chaque année au gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'on a en retour? Une tape dans le dos. Alors, moi, je pense sincèrement que si nous, on contribue à faire du développement économique, pourquoi les villes ne profiteraient-elles pas de eux aussi, de la croissance économique? Là, on a réussi à toucher un petit point de fiscalité, mais on est encore, en termes de fiscalité municipale, sur la brique et le béton. Mais on n'est plus dans cette économie de brique et de béton. Aujourd'hui, c'est l'économie du savoir qui peut se faire dans des sous-sols. Alors, on est obligé de taxer les gens sur des bâtiments, sur des grosseurs de bâtiments. Alors, je disais souvent, et je le dis en conférence, il est préférable que j'ai une usine de 350 millions de $ installée dans mon parc industriel avec des robots que d'avoir 350 employés de CGI qui sont ici, justement, à Shawinigan, puis qui ne nous rapportent rien en termes de croissance économique, si ce n'est qu'un jour, ils vont s'acheter des maisons. Alors, vous voyez comment il faudra revoir cette fiscalité municipale et nous donner, au niveau du développement de notre économie, les moyens de supporter nos entrepreneurs. Ce sont nous qui connaissons nos hommes et nos femmes, qui connaissons leurs besoins. Et j'ose espérer que je pourrai voir ça un jour. Vous avez fait référence à certaines réalités, souvent qui sont différentes d'une région à l'autre, par rapport à Montréal, par rapport à la capitale nationale, par rapport à l'ensemble des régions du Québec. De quelle façon croyez-vous que ça sera possible de travailler ensemble, justement, pour faire en sorte que cette relance auquel nous aspirons tous puisse se réaliser le plus rapidement possible? Je pense sincèrement que c'est une question de confiance, de respect également, de champ de juridiction. Vous savez, présentement, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement fédéral est là, au-dessus de la tête de tout le monde. Le gouvernement provincial réclame des transferts sans condition au gouvernement fédéral et se tourne de notre côté par la suite. Et les quelques montants d'argent qu'il nous octroie, on a une reddition de compte à n'en plus finir. Alors, avec très peu de moyens, très peu de façons de faire les choses. Et c'est connu. Les villes, maintenant, ne s'occupent plus seulement de déneiger, de réparer les routes, puis de ramasser les déchets. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs de développement économique depuis plusieurs années. Les hommes et les femmes qui s'inscrivent comme élus dans toutes les villes du Québec ont cette préoccupation de développement touristique, culturel, économique ou autre. La donne a changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est les moyens pour être capable d'y arriver. Malgré ça, on y va quand même. On le fait et on continue à le travailler aussi comme tel. Et j'ai vu les gouvernements réformes par-dessus réformes se faire au fur et à mesure, mais jamais j'ai vu encore une véritable réforme qui décentralise véritablement les pouvoirs et les moyens de supporter l'entrepreneuriat au Québec. Je suis allé en Europe à plusieurs reprises. Je connais beaucoup d'endroits à travers le monde où les villes ont ce pouvoir de supporter le développement économique, d'encourager les entrepreneurs de prendre des initiatives. Et je pense sincèrement qu'on aura un jour au Québec à faire ce fameux virage de confiance envers les élus municipaux qui ont des connaissances, qui ont des capacités, mais qui ont aussi toute une équipe. Des équipes de développement économique, des équipes de développement touristique, des équipes de développement culturel
On a ce qu'il faut véritablement pour être capable d'être des champions dans le domaine. Et j'attendrai que un jour, un gouvernement décide de faire ce pas-là. En terminant, M. Anger, je vais utiliser un mot que vous venez juste d'utiliser. Avez-vous confiance que nous serons capables collectivement de relever ce défi colossal auquel notre société fait face? Vous savez, ça fait 40 ans que je suis l'économie du Québec. Au Québec, bon, on a parlé de productivité, on a parlé de plein de choses, mais on a une belle économie au Québec. On a des cerveaux, on a du savoir, on a des capacités aussi. On a la capacité au Québec de rebondir. Et je pense sincèrement que si, et on le fait bien, si on continue à travailler de façon collective et solidaire, comme on est en train de le faire présentement, je crois sincèrement qu'on pourra continuer à faire partie des meilleures économies du monde. Alors, regardons ce qui se passe aux États-Unis présentement. Regardons ce qui se passe chez nous. Rappelons-nous qu'en 2008, il y a le Canada, le Québec, qui s'est tiré d'une récession qui a à peu près écrasé tous les pays du monde. On a su se relever à ce moment-là parce qu'on a fait des choix d'investissement dans nos infrastructures, des choix qui nous auront permis collectivement de travailler ensemble. Et j'ose espérer qu'une organisation comme la vôtre va être capable aussi de fédérer l'ensemble des acteurs de développement économique, incluant les gouvernements, pour nous permettre justement de continuer à prospérer et à avancer tout en respectant la spécificité de chacun des territoires du Québec, de chacune des villes, de chacune des municipalités du Québec. Il faut comprendre ce message que ce qui est bon pour Minou n'est pas toujours bon pour Pitou et vice-versa. Donc, je termine en disant toujours la même chose. Faisons confiance aux élus municipaux un peu partout à travers le Québec, et c'est la population québécoise qui va être gagnante. Michel Anger, maire de Shawinigan, merci beaucoup. Plaisir.